sort le camel à la Thierry Henry. Oh la marque, la marque qui vient sauver. C'est bon, Triflon. Bonsoir à tous les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Tour de France du District. Plusieurs infos tout de suite très vite, j'ai les yeux rouges. Ça va, ah, c'est un peu quand même. Un peu quand même. Les amis, bienvenue, voilà. On les est amis en... Les amis, dimanche de polémique. C'est vrai que tu sais bien faire. J'ai vu un gars le faire sur TikTok récemment. Il y a un mec qui a la même gueule sur TikTok. Et qui fait des vidéos foot et qui parle un peu pareil, qui a un peu la même voix. En fait, vraiment, c'est son doublon. Et les gens font que de lui dire à chaque fois, donc ça va limite être chiant pour lui au bout d'un moment. Bonsoir à tous, les amis. Les amis, nous sommes en direct de Ribérac. Ribérac en Dordogne, voilà. Donc on est déjà venu en Dordogne, mais on s'est dit, bah, pourquoi pas revenir, parce qu'aujourd'hui, on est là pour un quart de finale de Coupe du District. C'est énorme, c'est un match à enjeu de folie. Donc très heureux, mais on va vous détailler tout ça plus tard. Vous l'avez vu entre mes mains? J'ai des nouvelles chaussures, des derbies noires. Vous les avez vues aussi dès le début, en gros plan. En gros plan, mes derbies. Mais je crois que je vais peut-être les rendre. Bon, je vais quand même vous laisser décider, mais vous l'avez vu depuis le début, j'ai des énormes Santiago, hein, des énormes boots nazes marrons, un peu dégueulasses. Et là, je me suis dit, ça y est, il faut que je passe sur des pointes, sur des souliers noirs. J'ai pris celles-ci, mais qui sont mates. Et c'est vrai qu'au final, je me dis, ça pourrait être pas mal d'avoir des brillantes ou même des Richelieu. Donc voilà, je vous mets le duel. Soit je garde celles-ci. Je vous les mets là, ou soit je vous mets les Richelieu, et c'est à vous de choisir. Etienne, à la caméra, comment tu vas? Ça va très bien, toujours, toujours la forme. On n'a pas dit, mais on est vendredi soir. Bon, je te laisserai. Oui, oui, non, non, mais si, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on va, détailler, voilà, les détails du match, tout ça, sur le terrain. Le terrain est juste ici, un terrain synthétique. On va vous détailler tout ça dans l'avant-match. C'est parti. Pour une fois, on n'est pas trop dans le jus. On a, ouais, ça, on a été honnête là sur le timing, on est bon. 45 minutes, je pense, là, de marge. Donc, on est bien. C'est parti. Match de district, quart de finale de Coupe du District. On va se régaler. C'est parti. Merci à vous, les amis, de suivre cette série. Let's go. Je vais les rendre, en fait. Ouais, vraiment. Je pense que je vais les rendre. Vaut mieux. À son naze. Oui les amis, c'est l'heure de l'avant-match et ça se voit tout de suite. Changement de dégaine, changement de DA parce que ce soir c'est de la night session. C'est un petit peu comme un match de Coupe d'Europe là. Effectivement, on est vraiment dans une ambiance Ligue des Champions. On a un beau petit terrain, on a des belles lumières, un beau synthétique, on va se régaler. Et on a même prévu du coup de faire retentir cette musique de la Ligue des Champions ce soir. Ouais, je pense, hein, à chaque fois on nous l'a demandé beaucoup parce qu'on a fait Ligue 1, Ligue 2, on a tout fait. C'est vrai que des fois on nous disait, mais pourquoi vous faites pas la Ligue des Champions? Et on se disait, bon, il n'y a pas vraiment l'occasion pour un petit match de district comme ça un dimanche à 15h. Ah, t'as pas envie de la mettre? Non, quoi. T'as pas envie. Alors que là, nuit noire, des beaux éclairages, t'es obligé de la mettre. T'es obligé de la mettre et surtout quand tu sors le camel à la Thierry Henry. Les vrais l'ont reconnu. Les gants en cuir aussi, un petit peu. On a essayé de s'inspirer des plus grands. Faudra nous dire, voilà, si vous validez cette dégaine. Ce qui fait un petit peu frais quand même. Oui. Le soleil n'est plus là pour nous réchauffer. Au retour comme ça, ça va. Ça, mais moi, je te jure que tu le portes très bien, toi. Ah, c'est gentil. Ah, moi, je trouve que toi aussi. Je m'attendais à pire. Je pense que c'est pas zéro. Le match, parce que là, par contre, on commence à être dans le jeu maintenant. Effectivement, on a un peu tardé pour la préparation. La grosse particularité de ce match, c'est le même club qui s'affronte ce soir. C'est l'équipe B contre l'équipe C. En match de coupe, Coupe du District, comme on l'a dit, quart de finale. Et donc, c'est magnifique. Deux équipes qui évoluent à un championnat de différence. Hein, l'équipe 3 qui évolue en Détroit, dans la poule de PMG, pays de montagne de Gurcon, Gurson. Ils sont beaux. Ils sont très beaux. Ils sont beaux, PMG, ouais. C'est vrai qu'on s'était bien régalé avec eux. Oh, oh non, non, Fabrice. En parlant de PMG qu'on était allé commenter, normalement, il y a une surprise qui nous voilà, attend. Moi, je suis au courant. Mais c'est Fabrice. C'est sûr, c'est l'arbitre. Moi, je te l'ai pas dit, mais il y a une surprise. Il y a quelqu'un c'est sûr, de PMG c'est Fabrice, on va faire des qui va venir. Donc même vous, quelqu'un d'un ancien épisode que vous avez vu à PMG va revenir. Donc ça fait plaisir. Je pense que là, il faut quand même qu'on se grouille si on veut qu'on ait la musique. C'est parti. Let's go. Let's go. Allez. Et c'est parti. C'est parti, les amis. Night Session, quart de finale de Coupe du District. De Dordogne, en direct de la Dordogne. Je crois qu'elle va partir là. C'est une émotion. C'est bon ça. Waouh, les émotions. Ça fait plaisir, hein, de faire résonner cette musique en district. Un peu déçu qu'ils aient pas applaudi. Un peu déçu. Bah, les supporters, bon, c'est un peu dommage. C'est un peu déçu. Avec un corps arbitral au complet. Au complet, hein. J'ai les noms d'ailleurs. Hein. J'ai les noms du corps arbitral qu'on donnerait un peu plus tard. Là, c'est vraiment même. C'est plus qu'un derby. Hein. Là, c'est vraiment la même équipe qui s'affronte. C'est pas souvent que ça arrive. Quart de finale, hein. On se rapproche vraiment du Saint Graal. Magnifique photo
les photos d'équipe sont faites. On va pouvoir prendre du plaisir. On va pouvoir déguster du bon football ce soir. Je pense parce que vraiment, on le sent, c'est du vrai football qui va nous servir aujourd'hui. Je ne sais toujours pas quelle est l'équipe C, quelle est l'équipe B. Ah, ça fait un vide. Ça fait un vide, mais ça fait du bien aussi. Un peu naze. Ouais, un peu naze. Et c'est parti. Allez, ça commence tout de suite avec une belle chandelle, hein, une belle mine. Voilà. Mais je pense que vraiment on va assister à du beau football quand même ce soir. C'est du beau football. Il y a toutes les conditions qui sont réunies. C'est du beau football. Après, est-ce qu'on aime le beau football? Bah, on l'aime, mais c'est pas la philosophie de la chaîne. C'est pas la philosophie de la chaîne. Attention. Loin du niveau affiché ce soir, mais c'est ce qu'on vient chercher. Oh, attention. Oh, ça a bien claqué. Ça a bien claqué. Ça a bien claqué. C'est les deux qui. Ça a bien crié aussi. Ah, les deux qui en sortent pas indemnes pour cette action. Ah, y a pas eu de faute. Ah, je pensais que ça allait siffler. Ludovic Kubertafon qui arbitre un peu à l'anglaise, j'ai l'impression, dans ce match. Bah, en même temps, il a la dégaine d'un arbitre rosbif quand même. Les chauves comme ça, ouais. Tu les vois souvent. Voilà, Anthony Taylor. Ouais, tu les as souvent ceux-là, lors des Boxing Day. Tu les retrouves ceux-là, ces beaux chauves. Les différenciers. Bonsoir. Est-ce que c'est vous les fameux joueurs de l'équipe Une Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Enchanté. Est-ce que vous avez ou pas? Moi, j'ai un rabon léger. Très léger, très léger. On prend la route. On prend la route après quand même. Très léger. Très léger, Ricard. À la vôtre, les gars. Santé. À la gloire du CA Ribéracois. Merci à vous. Merci à vous. Ah oui, c'est l'odeur de l'anis. C'est là l'odeur de l'anis. Ah oui, oui. Mon daron est très fan. Ah, c'est vrai. C'est un truc de daron, ça, l'anis. Oui, clairement. Allez, je te propose quand même de trinquer, c'est parti. La première. Allez, Mini, un petit riflon. Un riflon. Il est bon ce riflon. Il est bon ce riflon. Il est bon ce riflon. Un riflon. C'est dégueulasse. Je suis pas fan. Je suis pas fan du riflon. Je suis pas fan du riflon. Oh putain. C'est un truc de daron le riflon. Je sais pas, on n'est pas assez âgé. Il a lancé le numéro 7. Aérodynamique sec, ça calme ici là. Il est beau, attention, ça coupe. Attention, ce centre. Ah, ça fait un moment que je voulais en parler de ça, Calva, c'est là. Ah, c'était le moment venu, numéro attends. 7. Vianney, putain, très beau. Très beau Vianney prénom. Allard, ouais, très beau. Hein. En tout cas, très en jambes. Ouais, très en jambes. Allez, ça va, me sent là. T'en veux un? La ref ou pas? Bien sûr. Quelqu'un en veut un? Ah, moi, chouchou. Hein. Bah voilà, distribution de Savane, t'as plus gros ça, allez, c'est parti. Ils expirent quand ceux-là? Ouais, ils sont périmés de 14 jours, les gars, c'est bon ou pas? Périmés du 1er mars. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont bien conservés. Ils sont bien conservés. Allez, c'est parti. Conservé à la bonne température, ça devrait le faire. Oh, attention à cette interception, ça va peut-être donner. Ah, attention, le gardien, la sortie un peu risquée du gardien. Ça passe à la feinte, attention. Ah, je vois qui? Il a recentré. Sauvé sur la ligne. Aïe 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 aïe, l'équipe C qui s'est montrée très dangereuse là. Hein. Très dangereuse sur ce ballon en profondeur. Yes, quoi, c'est... Attention quand même ouais. Ce confort. C'est vrai qu'il est très beau celui-là en il plus. Il est très bien placé. La parade de Nicolas Mignot. Nicolas Mignot. Nicolas Mignot qui s'interpose. Qui dévie en corner. Voilà, moi aussi. Attention là peut-être. Oh là là. Oh là 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 là, Vianney. Aïe aïe aïe. Il manque le cadre sur ce plat du pied. Numéro 10, il a encore un bon coup de rein le numéro 10, malgré une bedaine un peu naissante. Ouais, naissante. Voilà, on n'est pas sûr non plus la bedaine de Benjamin Durand. Elle était belle celle-là. Surtout que son maillot vraiment moule son ventre, qui est un ventre de quelqu'un qui aime la vie, hein, donc il voilà. n'y a aucun souci avec ça. Voilà ça. Allez, ça donne de l'air, ça soulage. Et je l'ai senti arriver hein. Attends mais t'as vu comment il a fait. Oh il a crié après. Et en espérant que ça soit pas grave hein. Que l'intégrité physique soit pas en danger. On lui applique la bombe de froid, il se relève. Ah mais il a du mal hein, il a du mal à poser le pied. Ça demande le changement. Ça fait tourner, ça pose le ballon. Et c'est la fin de cette première période ici au stade Jean-Pierre Escalette. Qu'un seul mot d'ordre, qu'une seule phrase. On se fait chier. On se fait chier, ouais, effectivement. Chier malgré de l'intensité, oui. Ça manque d'occasion franche pour nous réveiller un petit peu dans ce match. Mais après, mine de rien, pour le moment, 0-0, ça part sur un scénario aussi qu'on aime. Ça part sur une séance de tir au but aussi qui peut arriver dans 45 minutes. C'est ce qu'on recherche. Mi-figue et mi-raisin sur cette première mi-temps. Mais c'est reparti, deuxième mi-temps ici. Alors que voilà, on s'est fait offrir un vrai sandwich de qualité artisanale hein, dans un grand siècle un peu là. Avec une belle saucisse, du ketchup pour ma part, des oignons. Attention, elle n'apprend pas venir. Ok,
qui passe au-dessus de la barre. Oh, d'ailleurs, anecdote, je suis à l'université Bordeaux Montaigne. Voilà, les amis, moi je suis à l'université à Bordeaux là. Je suis tranquillement sur le parvis, sur la place centrale. À noter que je suis seul à seul avec une fille en train de parler de la vie. Très bien. Et là, il y a vraiment un jeune, mais vraiment... Jusque-là, une journée au boulot. Depuis 5 minutes, il y avait un peu un jeune avec un sac à dos et tout, un peu de sport. Il attendait, genre, depuis 2 minutes, un peu à côté. Et il se ramène, il me fait « Salut, c'est toi, Lucas Tommy, sur TikTok, tu commentes les matchs et tout. » Je fais « Ouais, ouais, c'est moi. » Et là, il me fait « On peut prendre une photo, s'il te plaît ?» Mais non. Je te jure. Et donc, je me suis retrouvé à faire photo comme ça à l'université Bordeaux-Montaigne, alors que j'étais en train en plus de parler en one-one avec une fille. C'est dingue. Ça, c'est fou. Ah bah après, je faisais le mec, bon, pour le show. Mais ouais, après, j'étais comme ça. Je te connais. Et le mec, c'était un amour et tout, continue, c'est top et tout. Ça, c'est dingue de demander la photo. C'était un bon moment de vie. Franchement, une très belle rencontre. Ce genre de repas là pendant le match à la buvette, c'est vraiment avec les oignons là un peu qui pendouillent, un peu grillés. Moi, ça me fait penser à Loïc Durand. Loïc Durand, c'est un supporter ajaxien qui fait des vidéos où il vlogue ses matchs. Et à un moment, il mange une galette saucisse à Guingamp. Le titre de sa vidéo, c'est « J'ai gerbé à Guingamp ». Avant le match, on le voit bouffer la galette saucisse du stade. Et pendant le match, elle passe pas, il se retrouve aux chiottes. Oh putain, c'est dur. Ah le bonheur, trop bon. Ouais, j'ai gerbé tout ce que j'avais envie de vous. Putain, je suis vraiment pas bien. Je suis bien que penché. C'est un génie. Alors, ceux qui connaissent Loïc Durand, c'est fou. Plus on avance dans cette saison, plus on commande de moins en moins les matchs. Ouais. C'est dingue quand même. Ouais. On est plus là à parler de la vie, ce qui est très beau. Hein. Ah oui, non, attention à ce coup franc. Ouh la parade, l'envolée. Nicolas Mignot. Oh là là, quelle envolée. La main ferme. En fait, ça, c'est la définition d'une claquette. Ah oui, vraiment. C'est une claquette. Et là, attention peut-être. Oh, et là, faut mettre le jaune. Et oui. Et ouais, parce qu'il partait. C'est minimum la biscotte. Il y aura quand même ce carton jaune. Ouais. Le premier du match, hein, si je dis pas de bêtises. Donné par Ludo Cubertafon. Ça fait péter le drone. Oh, attention. Avec peut-être l'ouverture du score. Oh, la gardien. Oh, faut se dégager, vous, c'est bon. Oh, l'occasion, ça a chauffé sur les buts de l'équipe C. Oh, attention. Attention à cette occasion, le centre, oh, il est bien donné. Oh la barre. La barre qui vient sauver. Oh là 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 là, quelle action. La barre qui vient sauver les miches de l'équipe C. Il y avait tout qui était parfait, il manquait quelques centimètres. C'est parti, le décollage du drone. Allez, c'est parti. Oh, il bouge, il a du mal, hein. Il y a du vent finalement. Ah quand même hein, 20 secondes de plan et c'est bon. Parce qu'en plus il ouais, n'y a pas grand chose à checker hein, au niveau de la pelouse. Il fait un boucan mine de rien. Mais c'est pour ça. Il fait plus de boucan que d'habitude. Ah ouais, c'est le vent. Le vent là, tu sens qu'il galère un peu. Putain, on va l'avoir cette séance de tir au but hein, je pense. Hein. Qui va adresser un centre bien vu. Au second poteau, la tête du numéro 12. Oh, est-ce qu'il va être signalé hors jeu? Le but est annulé, le drapeau s'est levé. Oh là 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 là, ça a encore une fois de plus chauffé sur les buts de Nicolas Mignot. Ouais, je rentre à la maison, on va pas prendre des risques, y a pas grand chose à faire au drone. Je vais pas les titiller les gardiens, hein, parce que là, il s'est quand même serré. Ouais, mais quand même, y a un certain enjeu. Là, t'es mieux. Voilà, c'est fort. Magnifique. Léo qui est passé, le crochet, une fois, deux fois, il va servir le numéro 12. Hors-jeu, signalé. C'est hors-jeu. Signalé hors-jeu. Dès le début, hein, dès le début de la passe, tout de suite, il a signalé. Même. Centre. Oh, oh, est-ce qu'il est rentré? Non! Oh là là, oh là, c'est bizarre! Oh, ça fera jaser! Ah, c'est fou ce qui se passe là! Hein. Ah, monsieur l'arbitre, il a pris au moins 10 secondes! C'est 10 secondes à dire qu'il a vu, alors que peut-être qu'elle était sortie, on sait même pas si elle est rentrée! Il va aller se consulter avec son assistant et sa gueule! Hein. La soufflante du stade Jean-Pierre Escalette! On est sur une bronca! Monsieur l'arbitre! Le but qui est annulé! Mais qu'est-ce qu'il est beau, cet arbitre chauve! C'est bon ça! C'est dingue, il est revenu sur sa décision, c'est très rare! 3 matchs de coupe, 3 séances de péno, donc ce serait à bon. À moins que. Oui, petite main sifflée, ça va donner un très beau coup franc. Très honnête, attention à ce coup franc bien botté. Attention, second poteau, il est seul! Oh là 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 là, il s'est enflammé! Et fin du match! Et on l'aura! Ouais. On l'aura cette séance de tir au but! Entre les deux équipes de Ribérac. On aurait peut-être voulu mieux qu'un 0-0 par contre. Hein, assez triste, pas de but. Ça manque un peu de spectacle en espérant qu'il y en aura sur cette séance de tir au but avec peut-être des panenka, peut-être des arrêts flamboyants. On va voir ça, on va suivre ça de très près. Allez, c'est parti. Avec le numéro 7 qui va s'élancer. Jules Mao. Premier tir au but.
pour l'équipe C. Et c'est devant. Sur un jeu marron qui ouvre son pied et le gardien Cyril Buté qui n'a pas bougé. Ils ont commencé à tirer, c'est toujours mieux moi je trouve de commencer à tirer. Pas le numéro, j'ai pas le numéro, il va se lancer pour égaliser dans cette séance de tir au but. Touché, oui. Et lui aussi il ouvre son pied. Très serein, c'était le numéro 5, Anthony Chaumette. Allez, ça va être le numéro 10. Mathieu Friconnet. Et c'est lui, c'est l'homme qui nous a demandé de venir. C'est l'homme que j'ai eu sur Instagram. Ouais, c'est lui. Intéressant, et il va s'élancer. Oh, le raté. Oh non. Ah, le raté de Mathieu Friconnet. Aïe, 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 Mathieu. Ah, Mathieu. Aïe, 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 Mathieu. Mathieu. La voiture, la putain de ta grand-mère. Calme-toi, Mathieu. Vite, 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 vite. Et on met les... Mathieu Valbuena. Vite, 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 vite. Oh, Mathieu. Ouvrez peu, Mathieu. Arrêtez avec la voiture, là. Calme-toi. Arrêtez avec la voiture. Attention, Marty. Marty va le numéro 13. Alias Joutsarp avec les lunettes de plongée. Oh, le raté de Marty Van. Aïe, 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 aïe. Les lunettes de plongée, c'était en trop. Ouais. Les lunettes de plongée, c'était en trop. Pardon. Le du tiers, c'est honnête, mais les lunettes de plongée, un peu trop. Pardon à lui. Bah, à la batterie. Ouais. Attention, numéro 6. Oui. Et elles reprennent l'avantage 2-1 pour l'équipe C. Et numéro 12 qui s'élance. Sous la barre. Fort sous la barre. Y'a pas mieux. Très bien tiré. Allez, c'est le numéro 13 de l'équipe C qui s'élance. Romain Coton. Romain Coton. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette séance? Aïe, aïe, aïe. C'est le troisième déjà. Ah là 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 là, et ça fait 2-2. C'est Flavien. C'est Flavien Doron-Soro qui va s'élancer. Attention, Flavien. Oh là 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 là. Il allume sous la barre encore une fois. C'est un choix payant pour Flavien. Kylian Ménoré. Ouh, il avait bien ouvert son pied, il avait choisi le bon côté, le gardien. Mais elle est très très bien placée dans le petit filet. En marchant comme ça, serein. Ah, il a déjoué mes pronostics. Là je le voyais pas marqué avec une démarche aussi lente. Là, c'est le combien de tiers, tir? Quatrième? Je crois que c'est le cinquième tir. Hein. Donc là, je crois que s'il marque, c'est fini. Je t'avoue que je sais même pas là. S'il marque, c'est fini ou quoi? Attention. Et c'est la qualification. La logique a été respectée. L'équipe B, pensionnaire de départemental 2 qui s'impose dans ce match interclub, si on peut dire. Ça fait mal, mais on voit quand même des belles scènes, hein. ça s'embrasse. Petite fin de match tranquille, cosy. Voilà, avec un résultat un peu décevant pour nous. Voilà, ouais, on était quand même pour l'équipe C, mais bon. Bien sûr. C'est le jeu. C'est bon ça, mais c'est moins bon que ce match de merde. Disons-le. Ce match qui était... Un peu décevant, ouais. Mais aussi intensif d'un côté, parce qu'il y a quand même eu de l'intensité, voilà, hein, c'est l'adjectif qui va bien, intensité. Il y a quand même eu des duels assez rugueux, ça on peut pas leur enlever. Après effectivement, ça a manqué un peu de folie offensive un peu dans ce match pour enflammer vraiment ce match. Changement d'angle, parce que voilà, on avait des petits soucis d'objectif. Normalement c'est bon, c'est peut-être le moment de présenter le sponsor du jour que vous avez vu devant notre gueule tout au long de la vidéo, mais qu'on n'a pas présenté pendant le match. Ça aussi c'est minable. On a changé un peu de direction artistique au niveau des sponsors. D'habitude, voilà, vous nous connaissez, on aime bien présenter des produits alimentaires. On est plus parti sur de la littérature à présent. C'est vrai que nous, voilà, d'un point de vue bouquin, on est vraiment tourné vers l'homme, vers la personne qui écrit le livre. Et donc forcément, quand tu te pavanes, que tu es à l'espace culturel Leclerc, que tu es comme As, et que tu vois la gueule de Fabien Olicard, tu te pavanes et tu vois la gueule de Fabien Olicard dans le rayon, c'est dur de... Comment passer à côté? C'est dur de pas vider son passe-culture. Voilà. C'est vrai. C'est dur. C'est dur de résister. Votre idée va devenir une réalité avec, voilà, avec cette belle ganache en première page, en photo de couverture. Il est tellement beau ce mec! Les méthodes d'un procrastineur abstinent pour mener à bien ses projets. En espérant que nous, ça va vraiment nous servir. En tout cas, maintenant, on a les clés. On n'a plus qu'à les mettre dans la serrure et de tourner la clé pour ensuite arriver vers de beaux accomplissements. Voilà, tout simplement. Très très beau, on vous le conseille. Fabien Olicard, merci à lui d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à lui de nous avoir donné 0€ pour sponsoriser cette vidéo. Ça a été un beau chèque bien signé, hein. Un chèque de 0€ de la part de Fabien Olicard. On te remercie grandement. Fin du match. Il n'y aura pas eu beaucoup de moments de vie. Non, c'est vrai. Putain, on n'a pas filmé dans la chop. Pas filmé le voyage. Non, en ce moment, on est du style un peu à parler de la vie, à parler de sujets un peu perso. Donc forcément, c'est pas des choses qui vous intéressent forcément, sachant qu'on vous voit. Ceux qui skippent à chaque fois les moments de vie et qui commencent à regarder la vidéo au niveau du coup d'envoi, ça se comprend, hein, bien sûr. On va voir, on va essayer de se régaler. C'est pas fini. Let's go. Donc moi j'avais une petite question, quelque chose qui nous a chauffé toute la semaine. On se rappelle d'une vidéo Détroit fiasco arbitral.
Comment s'est passé les retrouvailles avec Fabrice Encarnação? Et là, je sais pas si vous vous en souvenez, en début de la vidéo, on avait dit ça. En parlant de PMG qu'on était allé commenter, normalement, il y a une surprise qui voilà, nous attend. Moi, je suis au courant. Mais c'est Fabrice. C'est l'arbitre. C'était bel et bien Fabrice, l'arbitre, le fiasco arbitral en D2 qui était là. Quel plaisir, quel bonheur de le retrouver. Malheureusement, la rencontre n'a pas été filmée, donc on n'a aucun rush. Mais en tout cas, on t'aime, Fabrice. Des belles retrouvailles avec Fabrice, mais déjà, c'est parce qu'on s'était vraiment expliqué en message. Il y avait eu des explications. Entre hommes. Et voilà, on avait nous-mêmes quand même aussi avoué mea culpa, que le terme fiasco était peut-être un petit peu trop. Et c'est vrai qu'on a été un petit peu dur envers Fabrice. Pourquoi pas suivre ce petit parcours de cette équipe, se revoir sur une demi ou sur une finale, pourquoi pas? Eh bien écoutez, avec plaisir, nous cette saison, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, pouvoir commenter une finale de Coupe de District. Pour le moment, on n'avait pas forcément de touche, de club, de quoi que ce soit. Donc si jamais il y a la finale, bah, écoutez, nous on est là. Comptez sur nous. Eh bien, parfait. Merci les gars. Parfait, merci à vous. Allez, les gars, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Tout simplement, on se retrouve ici dans une petite station-service paumée. Ça pue le meurdeur. Tirez votre carte avant d'aller vous servir. Trouve pas que ça pue l'homicide volontaire ici? Ça pue le fait divers. C'est très glauque, hein, parce que vraiment, il y a tout qui est dans la pénombre la plus totale. Rien d'allumé, un petit peu glauque. En plus, on n'est pas non plus dans la ville. Là, on a déjà roulé 20 minutes, 25. Ah, mais je vais pouvoir te montrer, moi, que j'arrive bien à ce jeu. Ah oui, putain, c'est vrai. Je vais pouvoir te montrer, mon pote. Et là, c'est 15 balles. Objectif 15 balles. Allez, 20. Allez, 20. Franchement, je rate jamais. Que ce soit les litres ou les euros. Après là, t'es pas la même pompe. Je suis pas la même pompe. Allez. Oh, en plus, sans prendre mon temps, d'un coup. Voilà, je te le dis. C'est un art, ça. C'était un petit peu juste hein, pour rentrer, pour être sûr de rentrer sur Bordeaux. Mais oui, mais ça pue le John Lerouge. Qui connaît mentaliste John Lerouge? Ça pue, genre, tu sais, on se retrouve là, on est ligotés à l'olivier, là, comme des merdes. Bon, enfin bon, on va se laisser du coup parce que voilà, on a envie de rentrer en vie. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir regardé cet épisode, d'être encore ici jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est un plaisir, c'est un honneur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à envoyer des commentaires, surtout, c'est ça qui nous régale le plus. À toute l'équipe, merci à eux pour l'accueil, franchement, Ribérac, c'était exceptionnel. Merci à tous, vraiment, tous ceux avec qui on a parlé, c'était exceptionnel, c'était grave cool. C'était le quart de finale, on leur a promis de revenir pour la finale s'ils y sont, donc peut-être qu'on les reverra. On espère. On se laisse là-dessus, c'était un plaisir, c'était un bonheur. Rendez-vous pour le prochain épisode, pour prendre du plaisir, pour d'autres contenus, pour d'autres concepts. Voilà, c'est que du plaisir, je te remets ta trappe. Avec grand plaisir. Ça résonne en plus. Allez, fin de vidéo, merci à vous, à la prochaine. Hasta la vista, hasta luego, hasta pronto. Je l'ai pas en allemand. Allez, bisous. Ciao, ciao. Tiens. Un chien, je suis costume, habillé comme un être humain. C'est typique.